Bonjour, donc aujourd'hui 30 minutes ensemble. Nous allons faire un coup entier ensemble. On va travailler le haut du corps, le bas du corps, les abdominaux et le retour au calme. Allez, place à l'échauffement. Nombril inspiré, épaules en arrière, coudes et genoux opposés. Soufflez. Allez, ça vient bon. Quatre. Trois. Deux. Marchez. Allez, on marche. Prochain mouvement. Devant, devant, derrière, derrière. On va le faire lentement. 2, 3, 4, gauche, droite, gauche, droite. Allez, vous l'avez, fléchissez, réchauffez vos cuisses. Plus que 4. Deux. Dernière. Restez en bas. Squat tout petit. Poussez vos fessiers à l'arrière. Vos genoux ne dépassent pas la pointe de pied. Allez, ça vient bon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, relâchez, secouez. Et on va chercher de chaque côté. Si les bras vous dérangent, oubliez-les. Si c'est trop facile, jumping jack. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on enchaîne, talons fesses. L'option facile, choisissez votre niveau. On repart comme tout à l'heure. Soit jumping jack, juste tape sur le côté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, step out. Même bras, même jambe. Allez, ça vient bon. Au centre. Quatre. Trois. Deux. En haut. Quatre. Trois. Deux. Talons fesses. Allez, dernière accélération et on aura fini l'échauffement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, soufflez. Bravo à vous, votre échauffement est maintenant terminé. Place à la suite. Place au bas du corps, on va faire 3 tours de travail. Pour commencer, les squats, qui est largeur de bassin, poussez vos fessiers à l'arrière, en bas, en haut, en bas. En haut.
vos genoux ne dépassent pas la pointe de pied et vos fessiers à l'arrière. Imaginez que vous avez une chaise, vous tapez et vous remontez. Inspirez, soufflez. Bonne nouvelle, il vous en reste 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez en bas, tout petit. Soufflez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relevez, secouez. Pieds plus larges que le bassin. Jambes vers l'extérieur. Et on va chercher de chaque côté. Poussez. Poussez vos fessiers à l'arrière. Nombril rentré. Épaules en arrière. On se tient fier. Avec ce mouvement, on est en train de travailler l'intérieur des cuisses. N'oubliez pas de souffler. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un cran plus bas et poussez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On continue. Main au bassin. Ne mettez pas plus de pression à vos genoux. Hein. Si vous ne sentez pas l'intérieur des cuisses travailler, c'est que vous n'avez pas assez écarté les jambes. On va isoler à gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez. Pensez bien à pousser vos genoux à l'avant. Vos genoux ne dépassent pas la pointe de pied. Tenez bien en équilibre. Hein. Serrez vos jambes, secouez. On repart avec les squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bloquez en bas, tout petit. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 1, relâchez, secouez. Pieds plus larges que le bassin, jambes vers l'extérieur. Nombril rentré, épaules en arrière. Et on pousse les fessiers. Poussez, montez. Fléchissez, descendez. Vos genoux vers l'extérieur. Là, vous devez bien sentir l'intérieur des cuisses. Bloquez en bas, tout petit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Secouez. On continue. Pieds largeur de bassin. Fléchissez, montez, lent, lent à la descente et lent à la montée, contrôlez. On va changer nos rythmes de travail, toujours avec les squats. Accélérez en bas, ralentissez en haut. Comme tout à l'heure, on contrôle. Toute la pression est dans les cuisses.
préparez-vous. Et dernière, bloquez en bas tout petit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Secouez. Fléchissez la jambe droite. Et on va chercher de chaque côté. Fléchissez, ramenez toujours la même jambe. Inspirez, soufflez. Si les bras vous dérangent, on les oublie. Changer. Fléchissez, donc tout le poids est sur la jambe qui est fléchie. Ramenez, poussez. La jambe est toujours fléchie. Ça commence à chauffer. Et on garde le sourire et notre motivation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, secouez et je vous laisserai prendre votre tapis. Sur le dos. Et relevez le bassin. Inspirez, soufflez. Vos fessiers ne touchent plus le sol. Et contractez vos fessiers à la montée. C'est trop facile. Levez les talons. Le nombril est rentré. Et nos épaules ancrées contre le tapis. N'oubliez pas de souffler. Allez, ça vient bon. Bloquez en haut. Allez, on tient, on bloque. Fessiers contractés, bassin relevé. Cinq, quatre, trois, deux, tout petit. Ça commence à piquer normalement. Tendez vos jambes, attrapez vos genoux, ramenez-les au buste. Étirez vos fessiers. Prochain exercice, vous allez coller vos jambes, coller vos pieds. Et quand vous allez monter, vous allez écarter les jambes, toujours en gardant les pieds fixes. Là et vous écartez les jambes et vous serrez. Ça donne ça. Travaille l'intérieur des cuisses. Si vous trouvez que ce mouvement est trop difficile, restez comme tout à l'heure. Bloquez en haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez.
Vous avez fini avec le bas du corps, on va enchaîner avec la suite. On a travaillé le bas du corps, maintenant place au haut du corps. Donc on rentre le ventre comme depuis le début de notre vidéo. Fléchissez vos jambes, poussez vos fessiers à l'arrière, mettez votre bassin à l'avant. Donc faites une rétroversion de bassin. Coude, hauteur d'épaule. Donc on lève bien les coudes et on fait un triangle. Tirez à l'arrière, resserrez vos omoplates. Quand vous tirez, vous soufflez. Là, on travaille notre dos. Allez, vous en restez 10. 10, 9, 8. Petit, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez, ça a piqué normalement. Enroulez vos épaules, si vous avez des bouteilles d'eau, n'hésitez pas à les prendre, ou prenez des poids, ou sinon faites comme moi, poids du corps, serrez vos coudes et montez, fléchissez. On a la même position qu'au départ, genoux fléchis. Nombril inspiré. N'oubliez pas de souffler à la hauteur. Allez, on va bloquer en haut. Coude serré, tout petit. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez, enroulez vos épaules, bras tendus et des cercles. Comme tout à l'heure, vos bras ne dépassent pas la hauteur de vos épaules. Enroulez vos épaules, attrapez votre épaule gauche. Bras tendus. Changez. Allez, on passe au tapis. Sur les genoux. Largeur d'épaule, plusieurs niveaux, je vais commencer à vous montrer le niveau le plus difficile, sur les doigts de pied, regardez le sol, poussez vos coudes vers l'extérieur, en bas, en haut, nombril inspiré, fessiers contractés. Niveau le moins difficile, posez les genoux, le nombril est toujours rentré, hein. On descend et on monte, et le troisième niveau, rapprochez vos genoux du buste et descendez. Voici les trois niveaux. On n'est pas là pour se faire mal, choisissez votre niveau. Allez, c'est parti. On descend, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez, secouez. Et on repart pour un tour. Toujours par 10. Hein. Soit sur les genoux, soit genoux avancés, soit sur les doigts de pied. En bas, en haut. Inspirez, soufflez. Attrapez votre épaule à l'arrière. Changez.
Allez, deuxième tour, comme tout à l'heure. Soit les doigts de pied, soit les genoux, soit genoux avancés. Choisissez votre niveau. Vous vous rappelez, on en fait 10. Inspirez vers le bas, soufflez vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloqués. 10 tout petits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, changez. Enlevez vos épaules. Attrapez votre épaule gauche. Fuyez votre coude gauche ou juste ici. Changez. Dernier tour avec les coudes. Toujours 10, hein? Pensez bien, poussez vos coudes vers l'extérieur. Quand vous remontez, n'étendez pas. Vos coudes, mais laissez-les un petit peu fléchis. Et comme depuis le début, le regard toujours vers le sol. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloqués. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, j'en lâche. Ouvrez les épaules. Ça commence à piquer, hein? Il y a aussi deux niveaux. Soit on commence sur les doigts de pied, je vais commencer par le niveau le plus difficile et ensuite le niveau le moins difficile. Sur les doigts de pied, fessiers contractés, ouvrez l'inspire et on fléchit les coudes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pensez bien à fixer votre bassin et le regard toujours vers le sol. Le niveau le moins difficile. Sur les genoux. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Vous l'avez ? Je vous le montre, on ralentit. On est là. 1, 2, 3, 4. En bas, en bas, en haut, en haut. Allez, on le fait ensemble. On y va maintenant. Gauche, droite, gauche, droite. 1, 2, 3, 4. Là, vous devez bien sentir vos épaules travailler. Vous en restez 5. 4. 3. 2. Dernière. Relâchez, soufflez. On a fini avec le haut du corps, place aux abdominaux. N'hésitez pas à aller boire pendant la séance. Allez, ça vient bon, on est bientôt à la fin de la séance. Là, on va travailler les abdominaux. On est sur le dos, pédalage avant. Votre dos est ancré contre le tapis. Et pensez bien à ramener vos genoux à la poitrine. Allez, soufflez. Là, on doit bientôt ressentir les abdominaux. Soufflez. On est bien là, hein? N'oubliez pas de poser votre tête, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Les crunchs, mains au temple. Et relevez la tête. Plusieurs
plusieurs niveaux. Pensez bien, inspirez. Le nombril, serrez le périnée et regardez entre vos cuisses. Ça, c'est le premier niveau. Juste le fait de remonter, on sent les abdos travailler. Le niveau 2, et on descend. Montez, descendez. Hein. Choisissez votre niveau. Alors, ne tirez pas sur vos cervicales. Vous imaginez que vous avez une balle de tennis en dessous de votre menton, vous le bloquez, vous regardez entre vos cuisses, sans forcer sur les cervicales. Et on souffle en haut. On repart, pédalage avant, soufflez. Posez votre tête. On est bien. Mets en tente et on va travailler les obliques, les abdos du côté. On va chercher coude et genou opposé. Là, on est au niveau 2. Le niveau 1, pivoter. Prends les jambes. Hein. Le regard loin devant et on tient. Si le niveau est trop difficile, posez vos talons et reculez votre buste. Là, ça travaille encore. On y va? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, relâchez. On repart. Toujours sur les abdos. Position de gainage. Regardez toujours le sol. Soit sur les mains. Fessiers contractés. Nombril rentré. Le regard vers le sol. Ou soit. Comme ça m'ouvre. Ou poser les genoux. On avait trois niveaux, hein? Allez, on tient, on tient. Ça vient bon. Il vous reste 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Soufflez. Envolez vos épaules et on repasse sur le dos. On repart avec les crunchs. Montez, descendez. Et on repart avec le gainage. Je rappelle, choisissez votre niveau. On regarde le sol, fessiers contractés, nombril rentré.
Et là, c'est le mental, là. Ça vient, bon, vous inquiétez pas. Vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire une deuxième fois. Sachant que c'est notre dernier exercice d'abdos. Je vais faire la moitié. Allez, les dernières secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Super, bravo à vous les abdos. Ils sont maintenant terminés. Votre séance est maintenant terminée, à place au stretching. Inspirez avec le nez. Soufflez avec la bouche. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Balancez les bras à l'avant et à l'arrière. Fléchissez les genoux. Laissez-vous aller. Une dernière fois. Attrapez votre épaule gauche. Ramenez votre épaule le plus proche de votre buste. Soufflez. Changez. Repassez de l'autre côté. N'oubliez pas. On inspire avec le nez et on souffle avec la bouche. On va changer de côté. Hein. Je vous laisserai descendre lentement sur votre tapis. Inspirez, soufflez, fléchissez. Allez chercher le plus loin possible. Posez vos talons. Et à l'inverse, ramenez votre bassin vers le sol. Donc, réinspirez, fessiers contractés et la tête en direction du plafond. Partez à l'arrière, allez à votre rythme. Inspirez. Je laisserai pivoter sur le dos. Tendez vos jambes, tendez vos bras. Inspirez, soufflez. Votre dos est ancré contre le sol. Attrapez votre genou gauche, ramenez-le au buste.
est en train d'étirer nos fessiers. Changer de joue. Les deux genoux, ramenez-les au buste et faites baisser dans un sens et puis dans l'autre. Détendez le bas du dos. Mettez vos bras de chaque côté, fléchissez vos genoux, poussez vos genoux sur le côté et le regard à l'opposé. Vos épaules ne se décollent pas du tapis. C'est trop facile, tendez la jambe qui est au-dessus. Changez de côté à votre rythme. Soufflez. Une dernière fois de chaque côté. Changer. Je vous laisserai vous redresser lentement. Pensez bien à pousser votre main, basculer votre bassin, pousser avec l'autre main, fléchissez vos genoux. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Attrapez votre genou gauche, fixez un point, tenez-vous fier. Fléchissez la jambe d'appui si besoin. Attrapez votre cheville. Collez votre genou et poussez le bassin à l'avant. Changez de jambe. Votre cheville, collez votre genou et poussez le bassin à l'avant. Pieds sur la même ligne, fléchissez vos jambes, inspirez, soufflez, décollez les talons. On va le faire 4 fois. Inspirez. Allez, la dernière. Enroulez vos épaules, montez, inspirez, poussez, soufflez. Plus que 4 fois. 1, 2, 3.
3, 4. Et bravo à vous, votre cours est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti sur la séance.